Good morgen, allez yid, Daniel sera aujourd'hui le Nishmat, Richaron ben Fortune Mazal, Claude Israq ben Fortune Mazal, et Moriv Rabbi Shmuel ben Reb Shmuel Mazalman. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Rosh Hashanah, Peridalet Mishnah Bet, Veod Zot Aita Yerushalayim Yetera Al Yavne, Shekol Ir Shehi Roa, Veshomat, Ukrova, Vichola Lavo, Tokein. Une Mishnah qui se rattache à la Mishnah précédente, dans la mesure où, et du coup ça va ouvrir la porte pour faire une petite déviation pour les prochaines Mishnah jusqu'à la Mishnah, Soit, on a vu d'abord dans la Mishnah précédente une différence entre Yerushalayim et les autres villes, et que depuis la destruction du Beth Amikdash, et il y avait Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a fait une takana spéciale à Yavne. Soit, je rappelle d'abord la Mishnah précédente, très rapidement, sonner le chauffard à Shabbat, Chachamim ont interdit de peur qu'on va se mettre à déplacer le chauffard, à le transporter dans la rue, grave interdit. Pour ça, on a dit que tout Israël, ils ne vont plus sonner le chauffard, à l'exception de... Alors, à l'époque du Beth Amikdash, c'était à l'exception de Yerushalayim. À Yerushalayim, on pouvait sonner le chauffard, parce que là-bas, il y avait le grand Sanhedrin, et les gens n'allaient pas se mettre à... faire n'importe quoi, parce qu'il y avait des grands rabbins qui étaient là, qui contrôlaient très bien la situation. Depuis la destruction d'Yerushalayim, Rabbi Yochanan ben Zakkai avait instauré de sonner le chauffard à Yavne. À la place, alors il y avait une marloquette, est-ce que c'était dans tous les endroits où il y avait un Beddin, ou c'était spécifiquement à Yavne, où là-bas à Yavne, il y avait les 71 juges, le Sanhedrin Gdola, qui s'étaient installés là-bas. Suite à ça, maintenant on va énumérer quelques différences. Une dans la Mishnah, enfin, en réalité il y en aura une deuxième, qui est sous-entendu, et qu'une différence entre les usages de Yerushalayim initialement et les différences en fait avec Yavne. Soit, la Mishnah me dit, je traduis d'abord, après on revient un petit peu en arrière, on introduit l'élément manquant de base, et puis après on expliquera concrètement la Mishnah. Veod zot aita Yerushalayim. Tel est, et encore, donc, il y a encore une chose, que Zot Aïta Yerushalayim Yetera Yavne, où il y avait à Yerushalayim un supplément Yoter Yetera, un supplément à Yavne. Soit il y avait, même lorsqu'on a instauré de sonner le chauffard à Yerushalayim et à Yavne, il y avait quand même une petite différence. C'était pas avec les mêmes définitions, les mêmes règles qu'on a qu'il y avait à Yerushalayim, c'était à Yavne. Non, Yerushalayim était beaucoup plus large. On permettait de manière beaucoup plus large. Soit, alors la Mishnah me dit chez Kol Ir, car toute ville, que toute ville, chez Iroa, qui pouvait voir, les Shomat et qui pouvait entendre, ou Krova et qui était à proximité, mais Yechola la voix, il y avait la possibilité de venir à Yerushalayim, soit, une insistance un peu lourde qu'on va expliquer après, où il y avait une ville qui était à proximité d'Yerushalayim, mais tellement proche qu'on pouvait entendre, voir, venir. Alors, Tokin, on pouvait sonner même dans la ville qui était à côté. Tandis que Ube Yavne et Ayavne, Loayu Tokin et la Bevet Din Bilvad. On ne sonnait le chauffard que au Bet Din uniquement. En fait, la Mishnah va m'expliquer comme ça. Elle va me dire, tu sais, au début, à Yerushalayim, lorsqu'on pouvait sonner le chauffard, eh ben, on pouvait sonner le chauffard en réalité de partout à Yerushalayim, et même pas que ça. En réalité, alors il manque là, c'est le Barthénois, le premier Barthénois qui a introduit, c'était que, à partir du moment où il y avait le, puisqu'à Yerushalayim, il y avait le Sanhedrin de là, la Lishkat HaGazit, où il y avait là-bas le grand Sanhedrin qui était installé, on pouvait sonner, d'abord, dans tout Yerushalayim, à n'importe quel moment de la journée. Et même, les villes qui étaient aux alentours d'Yerushalayim, si elles étaient tellement proches qu'elles pouvaient voir Yerushalayim, entendre le chofar qu'on sonnait à Yerushalayim, et concrètement aussi venir à Yerushalayim, et Krova, ah, et c'est comme ça, elle était même dans un périmètre très proche d'Yerushalayim. Alors là, dans ce cas-là, on pouvait sonner le chauffard même dans la ville qui était à proximité, alors que à Yavne, ça ne se passait pas comme ça. Après, on va revenir sur Yavne. D'abord, j'insiste sur, il y a des possibilités, c'est-à-dire, je te demande une ville qu'on peut voir Yerushalayim, à exclure. Imaginez une situation où il y a une montagne qui est très haute, et puis... à vol d'oiseau, c'est quelques mètres sur l'axe des... j'oublie comment ça s'appelle, les abscisses, l'axe des...
D'accord, il y a quelques mètres comme ça en déplacement à l'horizontale, mais malgré tout, elle est en bas d'une falaise où depuis en bas on ne peut pas voir la ville. Ça existe en montagne, des situations pareilles, où finalement tu as un quartier qui est à proximité en haut, mais que tu ne peux pas le voir parce que tu as une montagne devant toi. Alors dans ce cas-là, la ville qui est en dessous, tu ne pourras pas le voir. Même si tu es concrètement à un périmètre, tu as une petite distance, quand il sonne le chauffard Yerushalayim, tu l'entends toi en bas. Mais tu ne peux pas la voir. Ça, c'est pour ça qu'il faut que tu puisses la voir. Et en plus, Shomat, que tu puisses l'entendre. Il y a des fois où c'est le contraire. Tu vas avoir une colline plus haut qu'Yerushalayim. Et puis, du coup, comme tu es un peu plus isolé, alors tu réussis plus à entendre le chauffard qu'on sonne. À la différence, lorsque toi, tu es en profondeur et Yerushalayim qui est au-dessus, tu as les échos, tu vas réussir à entendre le chauffard. Krova, c'est qu'elle soit à proximité, comme on a dit, qu'elle ne soit pas à l'extérieur du Trum Shabbat, 2000 Amar, en dehors d'Yerushalayim, à l'horizontale. Et puis, Veichol Alavo, qu'elle puisse venir concrètement. Parce que s'il y a une rivière, par exemple, qui sépare, qu'on ne peut pas venir pendant Yom Tov, alors la ville qui est à côté ne sera pas considérée comme Yerushalayim. Donc si ces quatre conditions sont remplies pour une ville qui est à proximité de Yerushalayim, eh bien on pourra sonner même dans la ville d'à côté. À la différence maintenant de Yavne. Alors Yavne, on explique beaucoup mieux maintenant. Yavne, d'abord, on pouvait sonner le shofar que dans le Beit Din, pas à l'extérieur du Beit Din. Dans le Beit Din, au moment où le Beit Din est installé, soit jusqu'à la 6e heure du matin depuis le lever du soleil. Uniquement, il fallait aller au Beit Din. Et il n'y avait aucune ville qui était à proximité qui pouvait sonner, puisque même les bâtiments qui étaient à proximité, ils n'avaient pas le droit de sonner. Ils devaient tous venir au Beit Din, au moment où le Beit Din est installé, pour pouvoir sonner le shofar. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.